apporté du pain. Oh oui, puis j'apporte le souper. Puis une caisse de 24. C'est pesant un peu, mais je vais te l'apporter, mon amour. Oui. Attends tout, mon chéri. Oui, oui, ils sont supposés m'envoyer quelqu'un pour m'aider, là. Oui, ce sera pas long. Bye. Bye. Bye-bye. Bye. Ah, mon Dieu! C'est toi qui m'as envoyé aujourd'hui pour m'aider dans mon travail de douanière. Oui? Ouais. Je te dis que... Es-tu bien sûr, là? Es-tu bien sûr qu'ils t'ont dit de venir m'aider? Oui, ils m'ont dit, présente-toi au premier comptoir, un matin, c'est toi qui travailles avec l'épaisse qui est là. Ouais, ben, l'épaisse qui est ici, là, elle va te dire une affaire. T'as besoin de bien faire ta job, parce que l'épaisse en question, elle va te faire tout un rapport contre toi, ma petite fille. Je vous jure que vous allez être contente de moi. T'as besoin, puis force-toi. Mais justement, là, s'en vient quelqu'un, ouvre l'œil, puis le bon. Tiens, je vais te laisser faire, puis je vais te regarder. Bonjour, Mme Douane, ça va bien? Bonjour, monsieur. Bonjour. Avez-vous quelque chose à déclarer, à part cette boîte-là? Non, 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 tout est là. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'autre chose? Non, non, tout est là, tout est dedans. Une petite valise? Non, c'est rien que ça. Un parapluie? Non. Un diamant? Ben non. Parfait, passez. Merci beaucoup. L'instant! Quoi? Est-ce quelque chose qui va pas? Bien, certain qu'il y a quelque chose qui va pas. Écoute, cet homme-là, là, tu le laisses passer avec une boîte non identifiée sans même jeter un coup d'œil sur ce qu'il y a dedans? Je devrais. Bien, certain que tu devrais. Écoute, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans une boîte non identifiée? Plein de choses à identifier. Bon. Bon, bien, ouvre-la, puis identifie-les, les choses. Identifiez-vous! Ouvrez-vous, puis identifiez-moi! Je veux dire, là, ouvrez votre boîte, puis identifiez ce qu'il y a dedans. Là-dedans, il n'y a rien. Je veux dire, il y a seulement du manger pour mes lapins. Pour vos lapins? Oui, oui, mes lapins. Quelle sorte de lapin? Ben, vous savez, là, la sorte de lapin avec des grandes oreilles comme ça, puis un petit nez là, qui bouge toujours le même. Là. C'est ça, là. Quelle couleur, les oreilles? Elles sont blanches. Ils sont où, vos lapins? Ben, mes lapins sont à maison. Heureusement, sans ça, aurait fallu que vous me les présentiez. Vous pouvez passer. Merci. Wow, 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 wow! J'ai-tu oublié quelque chose? Ouais, t'as oublié quelque chose. La boîte. Il faut regarder ce qu'il y a dans la boîte. Je le sais, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Il vient de me le dire. C'est du manger pour ses seins. C'est la fin. Puis t'as cru ça? Un homme qui te dit ça, puis tu crois ça? Tu sais bien que ça compte toujours des mensonges, les hommes, oh, regarde dans moi. Oh! 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 Hein? C'est là que je vous poigne! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Je suis stupéfaite. Elle est stupéfaite. 2,41 de stupéfiant. Ben oui. Stupéfiant. Une paire de jumelles! Un Kodak. Mm-hmm. Puis des rasoirs électriques. Ben oui. C'est ça que vous appelez du manger pour vos lapins. Ben oui, puis s'ils mangent pas de ça, ben ils mangeront rien pendant tout. Tant c'est tout. Vous avez bien raison. Passez. Non, merci, non, non, merci. Saisis, saisis. Passez votre chemin. C'est saisi tout ça. Ah. Monsieur Curie, ici, venez. Oui, mademoiselle, oui. Monsieur Curie. Oui. Vous me rendriez pas un petit service, monsieur Curie? Un petit service? Oui, un petit service que ici, c'est un petit service que je peux vous rendre ici ou est-ce qu'on doit se retirer un peu plus loin? Non, non, ici, ici. Ici, tout de suite, un petit service tout de suite. C'est que, regardez, je me suis acheté une trousse de maquillage toute neuve. Puis là, bon, ben, j'ai trop de bagages, j'ai déjà mon quota. Mais si vous la passez, ils diront rien. Faites ça pour moi, monsieur Curé. Oui, écoutez. C'est si déjà mon coteau. Si le douanier me demande si j'ai quelque chose à déclarer, je vais être obligé de lui dire. Ben, ils vous demanderont jamais ça, monsieur Curé. Bon, vous avez de l'air d'un ange. Arrêtez donc ça. Prenez ça, là. Puis, présentez-moi ce service. Non, mais ça, mais c'est pas très honnête, ça. C'est pas honnête, ça. Hein? Monsieur Curé, voyons donc. Faites ça pour moi, monsieur Curé. Écoutez. Je vais faire une condition. C'est que quand on sera passé la douane,
que vous vous confessiez. Je vous le promets, monsieur curé. Ben oui. Suivant. Monsieur le papier. Bonjour, monsieur le curé. Bonjour, ma fille. Bonjour. Vos voyages, monsieur le curé? Très bien, oui. J'étais faire un tour aux îles Vierges. Je les ai toutes vues, une par une. Avez-vous quelque chose à déclarer? Ah, oui, c'était divin. C'était formidable. Oui, c'était bien. Avez-vous quelque chose à déclarer, là? Je parle de vos bagages. Oui, quelque chose à déclarer. Bien, en dessous de ma soutane, j'ai un nécessaire pour femme qui n'a jamais servi.